elle était très attendue dans un camp comme dans l'autre. Même pour le président Houngbedji, qui a fini par être celui par qui le scandale est arrivé, l'adhésion de la Cour constitutionnelle était la seule échappatoire pour se sortir des goulots d'étranglement de ces envahissants syndicalistes. Le président Houngbedji, il faut le dire, est un fin limier politique, certes, mais un politicien qui voudrait bien se passer des bruissements assourdissants de cet aigneux syndicaliste qui vous empêche de dormir. Une évidence, toutefois, la tension est baissée d'un cran. Juste le temps de réaménager cette loi, de l'encadrer pour utiliser le vocable de la Cour constitutionnelle. La seule certitude jurisprudentielle, l'article 31 de la Constitution donne primauté aux arguments de la Cour. Le droit de grève est une émanation de la Constitution béninoise et doit être exercé dans les formes prescrites par la loi. Je laisse le soin aux juristes de haut niveau d'épiloguer sur les décisions successives, à la limite aussi contradictoires, les unes que les autres. Décision de 2002, décision de 2006, décision de 2011 et de 2018. Les plus optimistes qui espéraient la fumée blanche du côté de la Cour constitutionnelle fondaient leur espoir sur la décision du professeur Nwensou de 2006, qui a radicalement opposé l'article 31 de la Constitution à toute forme de velléité de l'exécutif de mater quelques renégats grévistes syndicalistes. La majorité parlementaire, elle, était aussi persuadée qu'aucun virement jurisprudentiel n'est possible quand on se réfère à la décision de 2011, décision dont le professeur Olo était pourtant le fief rapporteur. Une précision importante. Les uns et les autres se murmuraient à raison que le rapporteur de 2011 qui a retiré le droit de grève aux douaniers et aux forces de sécurité publique contre le fondement de l'article 31 de la Constitution se retrouve être encore le président de la Cour, ce qui repose la lourde responsabilité de libérer l'histoire en 2018. Et ce fut fait, non sans grincement de dents. Une décision qui fait dire à quelques esprits retors qu'il n'y a eu vainqueur ni vaincu. Pour les partisans de la grève, le revirement jurisprudentiel est une victoire pour la démocratie. Tous les fondements de lutte historique ayant abouti à des victoires tout aussi historiques, avec un seul corollaire, la grève. Elle fut le déclencheur du rouleau compresseur qui a conduit à l'organisation de notre conférence nationale, ancêtre de notre démocratie. Elle aussi, reine de toute démocratie en Afrique. Vu sur ce plan, vu sur le plan intellectuel, dirais-je, la plupart des citoyens attendaient une décision pacificatrice qui fait baisser la température et qui recrée un nouveau contrat de confiance entre les travailleurs et les dirigeants. Seulement voilà, la décision de CC 2018 présente une innovation majeure. La dernière décision de la Cour ouvre une boîte de Pandore. Elle donne la latitude aux législateurs d'encadrer désormais les grèves, c'est les grévistes, d'être l'arbitre entre le citoyen et les grévistes qui parfois, dans leur furie revendicatrice, font très peu de place aux citoyens puisqu'il faut l'abattre lâchement sur l'autel d'intérêts bassement matériels. Je me souviens encore que pour une prime d'âme de Noël, les médecins ont laissé mourir des milliers de personnes. Mais une fois les primes d'âme de Noël restituées, qu'en est-il des morts déjà enterrés? Pourtant, une grève sans service minimum ne vise plus que les gouvernants, mais pénalise a fortiori le citoyen lambda qui, privé de droits constitutionnels de jouissance de son service public, est obligé de constater le désarroi à son corps défendant. Et c'est justement la compréhension qu'il faut définitivement avoir de la dernière décision de la Cour. Elle a ouvert au législateur le champ royal pour enfin limiter les abus. Il est temps qu'on n'admette plus dans notre pays une grève qui dure 5 jours sur 5, une grève sans service minimum, une grève où les responsables syndicaux s'opposent farouchement à la réquisition au nom de la continuité du service public. L'intelligentsia parlementaire devrait trouver la juste formulation sans esprit belliqueux pour réaménager la loi sur le service public de sorte que chaque acteur social et tous les citoyens retrouvent quiétude et sérénité.